That's what I assume to be up there. I don't know. There's some evil forces or something in there. You can call that a subset of Area 51. I can't reveal anything. I am worried, frankly. We're happy to just ignore the fact that these are out there watching us. Oh, there's definitely something that... I don't know who's building it, who's got the technology, who's got the brains, but there's something out there that... Well, there's several, actually 9 flying saucers of extraterrestrial origin. What would happen to you if the government learned that you were giving us this information? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un format un peu spécial en 2 épisodes sur un lieu qui est celui sur Terre qui, je pense, nourrit le plus de fantasmes. Alors il faut reconnaître qu'il a tout pour intriguer parce qu'il y a eu beaucoup de phénomènes inexpliqués. Il y a eu plusieurs témoignages qui relatent des histoires qui sont vraies pour certains et complètement aberrantes pour d'autres. Et un gouvernement américain qui fait beaucoup pour entretenir le mystère et pour qu'aucune information ne fuite à son sujet. Donc vous l'aurez compris, je parle de la zone 51. Donc j'ai prévu de voyager sur la région de la zone 51 cet été et d'en faire une vidéo que vous pourrez voir sur cette chaîne. Et évidemment, je compte pas essayer de pénétrer dans l'enceinte de la zone. Je dis ça au cas où la CIA ou le gouvernement américain regardent cette vidéo, mais je vais quand même essayer de m'en approcher le plus possible tout en respectant le cadre légal. Donc je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais la zone 51, c'est une zone géographique qui est située au cœur du désert du Nevada. Sur cette zone, on trouve un complexe militaire qui est top secret et qui se trouve lui-même au sein de la base militaire de l'US Air Force de Nellis, qui est elle beaucoup plus grande et qui elle ressemble à une base militaire classique qui se trouve à 160 km de Las Vegas. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est d'où vient le mystère de cette zone et pourquoi est-ce qu'elle intrigue autant? Et donc ce mystère, il a plusieurs origines et je vais essayer de vous les expliquer et garder les plus croustillantes pour la fin. Mais déjà, une des particularités de cette base qui est assez dingue, c'est que malgré le fait qu'elle soit sur le sol américain, et depuis certaines révélations qui ont eu lieu en 1989 dont on parlera tout à l'heure, les gouvernements américains successifs ne l'ont pas reconnue pendant près de 60 ans. Malgré les histoires, les scandales, les demandes de l'opinion, et ça semble vraiment inimaginable dans beaucoup d'autres pays. Et c'est seulement depuis le 15 août 2013 que la CIA elle admet l'existence de cet endroit, à la suite d'une demande des étudiants de l'université de George Washington. Donc il y a un document de top secret de 400 pages qui a été déclassifié et qui officialise enfin la zone 51. Donc comme on pouvait s'y attendre, et à la grande déception de beaucoup de personnes, ce rapport il contient rien d'autre que des informations sur un programme militaire de test d'avions furtifs pendant la guerre froide. Il y a notamment les U-2, les Lockheed et les Nighthawk. Donc bon, c'était déjà des éléments connus du grand public, donc on n'a pas appris grand chose, mais ça a continué vraiment à nourrir le fantasme et les mystères autour de la zone. À côté de ça, il y a beaucoup de présidents américains qui sont titillés sur le sujet. Lorsque Obama est invité chez Jimmy Kimmel sur ce plateau, il en blague, mais il lâche vraiment aucune info. À part ça, l'endroit est entouré d'une zone d'exclusion dans laquelle patrouillent des gardes armés, qu'on appelle les camo dudes, à cause de leur uniforme. Ils roulent en jeep ou en 4x4 blanc, que vous avez déjà dû voir sur des vidéos, mais rien qu'avec leur présence, en fait, ils arrivent à dissuader les curieux comme le grand JD de s'en approcher de trop près. Et tout autour, en fait, on trouve aussi des panneaux qui sont assez dissuasifs, avec dessus des amendes, d'autres peines assez lourdes en cas d'infraction. Et le seul endroit qui permet en fait de voir l'intérieur de la base, c'est le mont Tikabu, qui est situé à 42 km de la zone 51. Et donc c'est à partir de ce point-là que j'ai l'intention d'aller voir ce qui s'y passe. Donc pour rajouter au côté dramatique, il faut savoir qu'à côté de la zone 51, il y a le site d'essais nucléaires de Yucca Flats, qui fait partie de l'un des 4 principaux sites d'essais nucléaires du Nevada, où les Américains en fait ont pas chômé pendant la guerre froide parce qu'on trouve la série de tests Plum Bob qui a laissé des débris et des cratères de bombes vraiment partout. Je vous conseille d'aller voir sur Google Earth, vous tapez Yucca Flats, c'est assez impressionnant. Et pour finir, il y a beaucoup d'habitants de la région qui racontent depuis des années qu'il se passe des choses étranges, beaucoup d'ovnis, d'événements inexpliqués, chose qui peut sembler en fait normale en habitant autour d'une base militaire secrète, qui a des programmes de développement d'avions furtifs, mais quand même. Et donc combiné avec tout ce qu'on vient de mentionner, avec les réactions des présidents, l'absence de réponse du Pentagone et tout le reste, on se dit que ça fait beaucoup. Mais c'est pas tout, il y a 2 événements qui ont vraiment déclenché cette vague de croyances et de questionnements autour de la zone 51 comme étant le lieu de stockage probable de technologies et de restes extraterrestres. Le premier, c'est le mystère de Roswell. C'est un accident qui a eu lieu en 1947 et qui concerne le crash d'un appareil dans un ranch. À l'époque, l'appareil il est considéré comme un ovni et plus spécifiquement comme les restes d'une soucoupe volante. Mais au final, on a appris en 95 et en 97 que le gouvernement américain publie 2 rapports qui expliquent que le crash est celui d'un ballon sonde qui a appartenu au projet Mogul, qui était en fait un programme secret de ballons espions conçu pour surveiller les activités nucléaires de l'URSS. Et le deuxième point, c'est pour moi celui qui est le plus prenant.
C'est l'histoire de Bob Lazar, qui est un Américain de 29 ans au moment des faits. Moi, l'objectif, c'est vraiment de raconter son témoignage pour expliquer en fait tout ce mystère qui plane autour de la zone 51. Donc avant de travailler dans la zone 51, Bob, il dit qu'il a démarré à Los Alamos, qui est un complexe nucléaire au Nouveau-Mexique, et il pense que c'est grâce à cette expérience qu'il a été recruté pour travailler dans la zone 51, et plus précisément à S4, S4 étant un endroit qui colle la zone 51. Donc Bob, à ce moment-là, il le sait pas encore, mais il décrira S4 comme l'endroit où les Américains ont essayé de faire du reverse engineering de technologies extraterrestres. En termes simples, ils partent d'une technologie qu'ils ont récupérée et ils font de l'ingénierie inversée, donc ils essaient de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir se l'approprier ensuite et le réutiliser. Pour en revenir à ses débuts sur la base, en fait, Bob, il a jamais vraiment su ce sur quoi il travaillerait. Il s'est dit que ça avait toujours quelque chose à voir avec des moyens de propulsion, mais il savait pas vraiment quoi. Et pendant son premier jour, on lui dit de lire une série de briefings, et ça lui met un peu la puce à l'oreille. Il réalise déjà qu'on parle de technologie avancée, il précise au début aussi qu'il travaille sur des morceaux d'appareils, mais sans avoir trop d'informations dessus, et que c'est généralement le procédé en fait dans ce genre de situation. Il a aussi un agenda assez spécial, donc il va pas travailler tous les jours comme la majorité des gens. Il est aussi appelé de manière assez ponctuelle, notamment le soir à partir de 23h. Il peut recevoir un coup de téléphone. Et il raconte que son premier contact va se faire dans un hangar qui était situé à flanc de colline. Les portes étaient ouvertes, il voit un appareil inconnu qui ressemble à une soucoupe volante, avec un drapeau américain dessus. Donc il se dit en rigolant que c'est enfin ça l'avion de combat sur lequel il travaille. La zone 51 étant un complexe de développement d'avions furtifs, il se dit que c'est logique, et donc là il va approcher sa main pour le toucher, se faire violemment réprimander, et on lui dit de baisser la tête et de partir. Donc sur le moment il trouve ça bizarre, mais sans plus. Et quelques temps plus tard, Bob il va être présenté à son partenaire de travail, donc un dénommé Barry. Donc ils font connaissance dans le labo dans lequel ils travaillent, leur mission se précise, ils doivent travailler sur la partie réacteur moyen de propulsion. Et Bob raconte que Barry, à la fois stressé et excité d'avoir un nouveau partenaire de travail, est très bavard, et il commence à lui montrer plein de trucs. Et c'est pendant la démo du réacteur en action que Bob réalise qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, parce que selon ses premières impressions, il se dit que cette technologie, elle existe tout simplement pas. Le réacteur qu'il a sous les yeux, il a la taille d'un ballon de basket sur une plaque de métal. Lorsque le réacteur, en fait, il est allumé, il produit un champ antigravitationnel, chose qui, selon Bob, était impossible à l'époque, sans que l'objet ait une énorme masse. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il se rappelle de son premier jour et de tout ce qu'il a vu sur les papiers administratifs relatifs à sa future mission. Tous les documents, en fait, qui parlaient de back engineering, un moyen de propulsion avancé, de l'analyser et de le dupliquer avec les moyens disponibles sur la Terre. Et donc tout ça se met un peu en place dans son esprit, et c'est là qu'il comprend un peu l'envergure du projet. Bon, après, Bob, il rappelle aussi que le gouvernement américain a séparé le projet en plusieurs parties, et que c'est un processus habituel dans ce genre de projet classifié. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient à parler, il a qu'une partie de l'histoire. Et en gros, l'équipe de Bob gérait l'énergie et la propulsion du réacteur, et les autres équipes, il y avait la partie matériaux, métallurgie, armement, etc. Bob, il dit qu'il a accès à des informations qui sont relativement limitées. Il se rappelle quand même de plusieurs choses. Il a lu dans un document que la provenance du réacteur, en fait, et donc de l'appareil volant, proviendrait du Zeta Reticuli, qui est donc une étoile située dans une galaxie à 39 années-lumière de la Terre. Il précise par contre qu'il n'a aucune idée de la manière dont cette information elle est connue. Ce qui est super intéressant, c'est le fonctionnement du réacteur. Selon Bob, en fait, le carburant utilisé est l'élément 115, qui était apparemment inconnu à l'époque. Cet élément 115, il a rejoint depuis 2015 le tableau périodique des éléments sous le nom de Moscovium. Il explique en fait que cet élément dans le réacteur, il est stable sous cette forme, un peu comme l'hydrogène qu'on met dans les voitures, mais qui peut prendre aussi d'autres formes plus dangereuses, exactement comme l'hydrogène quand il est utilisé et transformé pour les bombes atomiques. Une des spécificités de la soucoupe volante, hein, qu'on peut appeler comme ça, puisque le terme en anglais c'est flying saucer, c'est en fait ce qu'a dessiné Bob aussi quand on lui a demandé de reproduire ce qu'il avait vu. Et pour appuyer sa thèse du fait qu'il s'agisse de technologies extraterrestres, c'est que tout ce qu'on a inventé sur Terre jusqu'à aujourd'hui, pour se propulser, ça recrache quelque chose, que ça soit de la fumée, de l'air, du carburant ou de l'eau, il y a vraiment un phénomène d'action-réaction. Et selon sa théorie, cette soucoupe volante, il n'y avait pas de réaction. Il dit en fait que pour avancer, l'appareil crée une distorsion entre l'espace et le temps qui sont devant lui, et que l'espace se tord devant l'appareil. Je trouvais ça assez abstrait, mais pour l'illustrer, il prend une analogie. Imaginez une boule de bowling que vous placez sur un matelas, le matelas étant l'espace. Si vous appuyez devant la boule de bowling avec votre poing, le matelas se plie, donc se tord, et la boule avance. Et donc c'est comme ça, selon lui, que la soucoupe fonctionne. Cette théorie sur la déformation de l'espace-temps, elle appartient pas à Bob Lazar, elle a été théorisée par Albert Einstein, et il explique en fait le principe de la gravitation comme on peut le voir ici, et ce qui explique que la Lune tourne autour du Soleil. Et donc selon lui, l'élément 115 qui produit sa propre énergie gravitationnelle permet ainsi ce déplacement. C'est assez dingue comme théorie et ça le conforte dans ce qu'il avance en fait, et le fait de dire que cette technologie elle est pas humaine, parce que c'est impossible avec les connaissances des années 80 ni même celles d'aujourd'hui de créer un tel moyen de transport. Bob il a eu la chance d'aller une fois dans l'appareil sur lequel il travaillait. Il décrit l'appareil comme étant assez simple avec l'ensemble des éléments qui semblent fusionner ensemble à l'intérieur. Il dit que ça a vraiment sauté aux yeux, que rien n'est reconnaissable et qu'il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que l'engin ne vient pas de la Terre. Au milieu de l'appareil, il y a trois sièges pour des personnes d'environ 90 cm.
Et il dit qu'il a pas vu d'ordinateur de bord, de boutons, de couleurs, un peu comme il y a dans l'imaginaire collectif qu'on se fait des soucoupes volantes. Quelque temps plus tard, Bob y dit aussi avoir aperçu un autre hangar avec plusieurs appareils similaires à celui qu'il avait vu. Il y en avait 9 pour être exact, donc selon lui, c'est vraiment pas un cas isolé. Ils avaient tous différentes formes, hein, donc il y en avait un qui avait la forme d'un chapeau de paille, un autre d'un moule à jello. Et il y en a un qui lui semblait abîmé et qui semblait avoir été déterré, un peu comme s'il s'agissait du résultat de fouilles archéologiques. Peu de temps avant son départ de S4, Denis, qui est son superviseur, l'appelle pour faire un test de décollage grandeur nature. Et donc il va voir l'engin décoller devant lui sans faire beaucoup de bruit. Et puis en fait, une fois en l'air, qui devient vraiment super silencieux. Et là, il y a une chose qui l'a surpris, c'est que tout ce qui fonctionne en fait avec de l'énergie, normalement, dégage de la chaleur. Et que l'engin et le réacteur, là, n'en dégageaient quasiment pas. Et peu de temps après, il apprend que d'autres tests seront faits en plein air et qu'ils auront lieu le mercredi soir, parce que c'est à ce moment-là qu'il y avait le moins de circulation sur la route qui bordait la base militaire. Et retenez bien ça, parce que ça aura son importance. Mais bon, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Au bout d'un certain temps, Bob y commence à devenir méfiant. Il pense que reproduire les effets de la gravité nécessite énormément de puissance, et il compare cette découverte à un réacteur nucléaire qu'on donnerait à des gens de l'époque victorienne, soit milieu 19e. Forcément, il y a un décalage technologique et scientifique, et il y a aussi le fait qu'on cache une telle découverte qui, selon lui, peut changer vraiment l'ordre des choses, la puissance d'un état et l'avancée de la science. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus commun qui va précipiter la fin de sa mission sur la zone 51. Quand Bob a accepté le job, il a dû passer une batterie de tests et de checks pour savoir si lui et son entourage ne mettaient pas la mission en péril. Donc avec sa femme, dès le début, ils se sont mis tous les deux sur écoute. Ça, c'est quelque chose qu'il savait, ça lui posait pas de problème. Mais avec son agenda assez bizarre, à devoir aller à la base à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et à ne rien pouvoir dire à sa femme puisque c'était du secret défense, elle a commencé à avoir des doutes et à entretenir une relation avec un instructeur de pilotage. Chose que le gouvernement a appris puisqu'elle était sur écoute, mais ils ont gardé vraiment cette info pour eux et ils ont rien dit à Bob. Donc la théorie de Bob, c'est qu'ils ont pris peur et qu'ils ont progressivement commencé à le mettre à l'écart. Il raconte avoir été suivi, avoir des voitures du gouvernement le surveiller dans son rétroviseur, à passer devant chez lui, etc. Et sachant ce qu'il savait, il s'est clairement dit qu'en fait il aurait jamais le droit à une vie normale et que le gouvernement le laisserait jamais partir dans la nature avec un tel secret. Donc pour se protéger, il a voulu se confier à son meilleur ami. Et donc là, les semaines passent, Bob il en parle autour de lui, il met plusieurs personnes dans la confidence, et il finit par ramener plusieurs de ses amis sur la montagne pour voir les tests grandeur nature du fameux mercredi soir. Et comme preuve de ça, Bob il a filmé les plans que vous voyez là, avec les moyens de l'époque évidemment. Donc la première fois, tout le monde était hyper impressionné parce que les mouvements étaient radicaux, ils bougeaient vraiment comme si on bougeait un laser sur un mur, donc très rapide et très saccadé. Mais malheureusement, erreur de jeunesse comme il le dit, ils sont revenus plusieurs fois et c'est au bout de la troisième fois que les choses se sont pas passées comme prévu. Donc là ils sont posés sur l'avant du véhicule, ils sont en train de boire des bières et d'attendre le commencement des essais. Et là ils voient une lumière verte qui tombe de nulle part et qui rebondit sur le sol. Et donc là, il comprend vite que c'est une lunette de vision nocturne et qu'elle appartient à des gardes qui sont face à eux dans le noir total. Et évidemment, ils interpellent Bob et ils le ramènent à la base. Et donc c'est là que les choses empirent. Il va être débriefé, on lui passe un savon en lui disant qu'il aurait jamais dû en parler, et là, ils lui lisent les conversations de sa femme et de son amant. Et ils finissent après par le laisser partir. Donc là, Bob, il est effondré, il sait qu'il est sur écoute, qu'il se fait pister par l'armée et la CIA, et c'est là donc du coup qu'il va décider de contacter George Knapp, qui est un journaliste d'investigation connu de l'époque pour témoigner. Parce que Bob, il est motivé par le fait de vouloir sauver sa vie. Si des personnes sont au courant, on n'essaierait pas forcément de le supprimer par crainte d'un scandale d'État, mais aussi parce qu'il estime que le gouvernement, il peut pas cacher une telle technologie aux yeux du monde, ni de ce qu'elle implique avec l'existence probable d'une autre civilisation extraterrestre. Et donc là va s'en suivre une lente descente aux enfers pour Bob, qui va subir de nombreuses perquisitions du FBI, des intimidations, des moqueries, des harcèlements de la part de nombreuses personnes, agences gouvernementales et autres. Aujourd'hui, Bob dit que ça s'est calmé, et même si on ne croit pas à son témoignage, il semble de plus en plus crédible, et notamment grâce aux nombreuses révélations des pilotes de chasse américains qui ont vu des ovnis entre 2014 et 2015, qui se déplaçaient à des vitesses supersoniques avec des possibilités de freinage brutal, une absence de moteur à réaction ou de traînée d'échappement. Il y a le New York Times qui a d'ailleurs révélé l'existence d'un programme baptisé Advanced Aerospace Threat Identification Program, qui est un programme en fait développé par le Pentagone et qui est chargé d'enquêter sur les ovnis. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est vraiment une autre histoire. Donc pour en revenir à Bob, il dit aujourd'hui qu'il regrette d'en avoir parlé et que ça a vraiment détruit sa vie. Mais qu'on croit ou non à son histoire, il a fait une interview de 2 heures dans laquelle il raconte tout ce que je viens de vous raconter, dans laquelle il se confie et c'est vraiment un sujet qui est hyper prenant. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé l'histoire fascinante. Si elle est vraie, c'est super excitant, voire inquiétant. Et si elle est fausse, bah, c'est juste un bon roman de fiction. Je vous laisse vous faire votre idée. C'était Polaire TV. A plus.